Good evening, everyone. My name is Stefan Bartosz, and I'm the general manager of CompuGroup Medical Belgium. I'd like to welcome to our event, Connected to Health. This is a special moment for everybody at CompuGroup Medical Belgium, because today we also unveil our brand new offices in Oostend. COVID has had a large grasp on all of us. We at CGM want to look at the future and change things to come, not only in the way we work, but also in the way you work as a healthcare provider. We also want to take the time to thank all of you for what you have done during this time of crisis. CGM is proud to be able to constantly support you and your colleagues, especially during this crisis. Healthcare is becoming more and more digital. This has a large effect on how you treat your patients, but also on the patient itself. We have seen a sudden uprise of video consultation. The electronic patient file is more than ever an importance in our life, and e-health is becoming more and more mature. At CGM, we offer several solutions to support this digitalized healthcare, such as ClickDoc, OxyBoxy, and OxyCity. Today, our team will also be showing you some important evolutions in our products. We have some great speakers with a lot of experience in this field lined up for you, and we are very happy to have them here, live in our studio. We strive to be able to give you the best service and support. This is where our new office also comes into place. By investing in our staff and their work environment, we are also investing in you, our customers. We want to show you that we evolve with you and with healthcare, because we are all connected by health. We synchronize healthcare. Thank you very much. Het is een hele grote eer om vandaag de nieuwe kantoorgebouwen van CGM te mogen openen hier in Oostende. Een hele dikke proficiat. Voilà, alsjeblieft. Dank je wel. Bienvenue dans nos nouveaux bureaux. Aujourd'hui, je vais faire un petit tour avec vous et vous montrer tout ce qu'on fait ici à CompuGroup Medical Belgium. On va commencer avec la petite salle de réunion et de récréation. Vous allez voir ici, on a prévu un whiteboard et un espace créatif pour faire des discussions et aussi recevoir des clients. À l'autre côté, vous allez retrouver le développement. Le développement assez important pour nous, bien sûr, parce qu'on est on développe bien sûr des logiciels. Vous allez voir ici que le focus, c'est de travailler en équipe et donc toutes les équipes ils sont ensemble dans cette salle pour faire le développement. Alors, si vous me suivez, on va passer dans le couloir où on a des petites places de réunion aussi pour faire des petites réunions à deux, peut-être parfois à trois. Et on va vers la grande salle à manger, de récréation et bien sûr la cuisine. Pour le midi, le plus important, bien sûr. Ici, vous allez retrouver assez de place pour tout le personnel pour manger, aussi pour faire des réunions. Et on peut changer toute cette salle pour faire des grandes formations en groupe avec une projection. Ici, nous sommes dans la grande salle de réunion. Vous allez voir qu'on a assez de place ici pour faire des grandes réunions, mais aussi des possibilités de faire des réunions à distance et des démonstrations. On a une petite salle d'attente pour les personnes qui sont en train d'attendre pour leur réunion, pour boire un petit café ou un petit verre d'eau. Comme ça, ils ne doivent pas attendre sans boire quelque chose. Ici, on a le bureau du service de vente et de marketing. C'est aussi où moi je travaille. Vous allez voir qu'on a la possibilité de travailler avec des standing desks parce qu'on va investir aussi dans l'ergonomie de notre bureau pour le personnel. Ici, nous sommes dans le service support. Vous allez voir qu'on a plusieurs bureaux extra ici parce qu'on va vraiment investir dans ce service dans le futur. Comme ça, on peut vous aider le plus vite possible. Ici, on a le service professionnel. Aussi, ici, vous allez voir qu'il y a quatre bureaux parce qu'ici aussi, on va investir dans le futur pour avoir des extra personnes pour des formations et des installations. Maintenant, nous sommes dans le bureau du directeur général Stéphane, que vous avez vu là tout de suite avec sa présentation. Il a aussi la possibilité ici de recevoir des clients ou des personnes pour des rendez-vous et il travaille ici, bien sûr, chaque jour. Je vous remercie pour faire ce tour avec moi. Peut-être que vous pouvez nous visiter quand vous êtes une fois à Oostende et je vous vois peut-être dans le futur. Merci. Avec fierté, nous vous présentons CGM Coaching.
Lorsque vous nous contacterez, nous serons heureux de regarder ensemble vos besoins spécifiques. Pour cela, nous avons développé une gamme étendue de formations en combinaison avec du hardware et du consulting. Êtes-vous thérapeute, généraliste ou spécialiste? Et avez-vous besoin de soutien ou vous vous demandez si vous en tirez le maximum? Nous serons heureux de vous aider en parole et en acte. Souhaitez-vous une formation individuelle ou plutôt en groupe? Avez-vous déjà des expériences ou faites-vous vos premiers pas? Alors nous aimerions vous aider. Nous proposons nos cours de formation sur place ou en ligne. Nous travaillons à votre rythme. Au cours de notre rendez-vous, nous prévoyons suffisamment de temps pour découvrir et en mettre en pratique ensemble les nouvelles informations à un rythme calme. Aussi, vous êtes prêt à naviguer en douceur dans votre programme pour pouvoir consacrer votre temps à votre passion. Les problèmes hardware ou les questions concernant le fonctionnement de votre cabinet seront discutés d'une manière ouverte et sincère. Envie d'en savoir plus ou vous voulez-vous connaître notre équipe? Consultez notre site web ou demandez un devis sans engagement. À bientôt, l'équipe de CGM Coaching. Et un kilo de poids. Alors Catherine, votre tension artérielle, toujours trop élevée? Oui, c'est pas terrible. Ouais, l'hypertension, ça doit être bien suivi, hein, parce que si vous dépassez les 140-90, vous pouvez avoir de gros soucis, et généralement, à votre âge, c'est fatal. Après, je veux pas vous faire peur, hein, mais vous savez, avec une hypertension continue, le risque d'inflammation au niveau des parois vasculaires augmente. Du coup, l'apparition et la naissance de plaques athéromateuses. Et là, si elles forment un clot de sœur, on appelle ça un thrombus. Thrombus, s'il se détache de la paroi, là par contre, risque d'embolie pulmonaire, d'infarctus du myocarde, infarctus au niveau cérébral, et là, voilà. Mais bon, ça fera 10 euros. Ah oui, voilà. Un grand merci. Merci. Voici. On mange bien les choux-fleurs? Oui. Et pas trop de béchamel. Hein. Oui, promis, je vais faire attention. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Suivant. Bonjour. Bonjour, comment va le ménisque? Ça vous fait quoi? Encore une petite heure et vous serez vite débarrassé de cette petite varice. Bonsoir à tous, nous allons bientôt passer à la présentation du docteur Jongen faisant partie de E-Santé Wallonie. Je vous laisse la place, docteur. Eh bien, voilà. J'espère que vous avez à l'écran ma présentation. Valériane, si tu peux confirmer les choses, ça serait parfait. On a tout à l'écran, donc vous avez le champ libre. Et donc, je pense que tu me laisses environ une vingtaine de minutes pour faire cette présentation. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Très bien. Eh bien, d'abord, je suis très honoré et ça me fait beaucoup plaisir d'avoir reçu votre invitation à cet event. Je pense qu'effectivement, votre firme est quelque chose d'important dans le paysage belge, tant d'un point de vue francophone d'ailleurs que du côté néerlandophone. Vous êtes très présent dans le secteur des kinés, des médecins généralistes et d'autres également. Je l'ai appris très récemment. Donc, nous aurons certainement beaucoup de possibilités de rediscuter dans le temps futur. Alors, ce dont je souhaitais vous parler aujourd'hui, c'est du partage sécurisé de données de santé par le médecin généraliste wallon et bruxellois
avec d'autres prestataires de soins. Je ne parle donc pas ici aujourd'hui des échanges sécurisés qui peuvent ou qui doivent avoir lieu avec le patient. On va se contenter de parler des échanges entre prestataires de soins. Alors, une donnée de santé, c'est une donnée à caractère personnel et donc à ce titre-là et dans le cadre RGPD, c'est évidemment une donnée dont il faut prendre soin tout particulièrement. On ne va pas revenir sur ce RGPD. Je peux imaginer que vous avez tous une connaissance suffisante de la chose. Tout de suite, vous dire qu'à ma connaissance, il n'existe que deux systèmes en Belgique qui permettent un échange sécurisé de données de santé entre prestataires de soins. D'une part, le réseau santé wallon et bruxellois, je parle ici bien sûr pour les francophones. Les réseaux flamands sont évidemment tout à fait valides également. Et d'autre part, on en parlera après, la IHBox. Mais on va d'abord parler du réseau santé wallon. Et le réseau Santé Wallon, bien sûr, c'est un portail que vous connaissez probablement tous, mais comme je m'adresse aujourd'hui essentiellement à des médecins généralistes, c'est clair que ce n'est pas directement dans le portail du réseau Santé Wallon que nous allons faire nos échanges de données. Nous allons utiliser à cette fin nos logiciels métiers. Le portail du réseau santé bruxellois, c'est la même chose. Et retenez tout de suite que dans ma présentation que je vous fais aujourd'hui, je vais parler indifféremment du réseau santé wallon et du réseau santé bruxellois, parce que comme vous le savez probablement, ce sont deux produits similaires qui sont d'ailleurs hostés dans les mêmes, dans les mêmes services informatiques. Et donc, ce que peut un, peut l'autre également. Alors, le réseau santé wallon, c'est important et tous les mots que je vais vous mettre à l'écran sont importants, permet un partage contrôlé de données de santé dans le cadre de soins entre acteurs de santé, patients inclus. Quand on parle de partage contrôlé, ça signifie plusieurs choses. Ça signifie bien sûr que le partage doit se faire pour de bonnes données. Si j'interroge le réseau santé wallon, il me faut les données du patient Jongen, il ne me faut pas celles du docteur Parmentier éventuellement. Il me les faut au bon moment, c'est-à-dire que si je les demande maintenant, ce n'est pas pour les avoir demain. Elles doivent être distribuées aux bonnes personnes, c'est-à-dire à moi dans ce cas-ci, de la même manière, de telle manière que ça favorise évidemment de meilleurs soins. Alors un partage, c'est toujours un élément qui est bidirectionnel, c'est-à-dire qu'un partage implique, à mon sens, une lecture d'informations sur ce fameux réseau santé wallon, mais également la possibilité, pour ne pas dire l'obligation, d'écrire également sur le réseau santé wallon. Des données de santé, il faut le repréciser encore et encore, ce sont des données à caractère personnel. Ça signifie que pour les partager, il faut un réseau qui soit adapté, avec une sécurité spécifique, c'est-à-dire qu'on utilise pour se connecter soit la carte d'identité, soit les systèmes comme ITSMI, et que pour nos logiciels, il faut de plus des certificats eHealth attestant de la validité de l'outil qu'on utilise. Et alors, particularité, ici en Belgique, nous sommes dans un système de consentement opt-in. Ça signifie que tous les patients ne sont pas inscrits par défaut sur le réseau santé wallon, ni tous les soignants d'ailleurs, et qu'il faut à chaque fois une autorisation de ceux-ci pour les retrouver sur ces fameux portails. Donc, on continue dans le cadre de soins. Ça signifie qu'il faut obligatoirement un lien thérapeutique. Ça signifie que seul le prestataire qui soigne le patient va pouvoir accéder aux fameuses données de santé et qu'on ne va pas faire un big data de toutes ces données de santé que chacun va y picorer ou chaque prestataire va y picorer ce dont il a envie de voir. Non, certainement pas, c'est beaucoup plus réglementé que ça, bien entendu. Et dernier élément, c'est entre acteurs de la santé, patients inclus. Et dès le début, le réseau Santé Wallon, qui je vous rappelle a démarré en 2006, a démarré bien sûr avec les médecins, médecins généralistes, hospitaliers, médecins spécialistes, mais aussi très vite des infirmiers, des kinés, des pharmaciens, des dentistes, sages-femmes, psychologues, etc. Tout cela bien entendu en fonction du profil du prestataire
qui lui ouvre certaines données et d'autres pas. C'est ce qu'on retrouve typiquement dans ce qu'on appelle la grille des droits d'accès. Alors, la grille des droits d'accès, c'est ceci. Et je mets tout de suite à l'écran en surligné la première ligne du sommaire, puisque le sommaire va être quelque chose qui va être utilisé essentiellement par le médecin généraliste comme moyen de communication. C'est un de ces deux moyens de communication d'ailleurs. J'ai peut-être été un peu vite sur la dia. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que le médecin généraliste va avoir deux systèmes pour communiquer avec les autres prestataires. D'une part, le sommaire et d'autre part, le journal du réseau Santé Wallon. On va y venir dans quelques minutes. Communiquer avec le sommaire, je le disais, ce sommaire, à qui est-il accessible? Vous le voyez là, c'est la première ligne. Il est accessible aux médecins, il est accessible aux sages-femmes, accessible aux pharmaciens biologistes et aux pharmaciens hospitaliers. Vous voyez que ce sont des rubriques qui sont en vert, ce qui signifie que la totalité des rubriques du sommaire leur sont accessibles. En jaune, vous voyez les pharmaciens, les dentistes, les infirmiers, éducateurs en diabétologie et les infirmiers, c'est-à-dire qu'un certain nombre de rubriques du sommaire leur sont accessibles. Ça, c'est le tableau au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire 1er juillet. Si je vous refais cette présentation dans un mois, sachez tout de suite que les kinés auront également un accès partiel au sommaire, qui seront vraisemblablement l'accès aux allergies et aux intolérances médicamenteuses, plus aux informations administratives que peut contenir le sommaire. Ici, donc, on parle essentiellement de partage de données de santé entre prestataires de type médecin, et donc vous voyez que tous les médecins, bien sûr, ont un accès total au sommaire que vous, médecin généraliste, pouvez produire avec votre logiciel métier. Alors, j'ai repris ici un écran de Dactari, bien sûr, et vous voyez que, comme dans d'autres logiciels, on retrouve dans partie gauche une série d'éléments pertinents qui vont être ces éléments qui vont pouvoir nourrir le fameux sommaire. Ça va un peu trop vite à mon goût. Voilà, je reprends. Voilà. Donc, ces éléments qui sont sur la gauche de votre écran sont ceux qui vont alimenter le sommaire que vous allez produire pour votre patient. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'inclure la totalité des éléments qui se retrouvent là. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner certains éléments si vous ne souhaitez pas qu'ils fassent partie du sommaire ou, important, si votre patient ne souhaite pas qu'il soit publié dans le sommaire. Je vous rappelle par rapport à ça que la règle du droit du patient prime sur une exhaustivité des données et que dans un sommaire ne se retrouvons que ce que vous avez souhaité partager et ce que le patient est lui-même d'accord pour partager par ailleurs. Alors, ça va donner quoi? Ben, ça va donner le sommaire que vous connaissez, hein, qui est ici une copie d'écran de ce qui se retrouve sur le portail du réseau Santé Wallon, mais que vous retrouvez également dans les différents logiciels métiers quand vous allez voir le sommaire produit par un collègue par ailleurs. On a toujours les allergies, les risques sociaux, les intolérances médicamenteuses, facteurs de risque, les problèmes ou diagnostics, les traitements en cours, antécédents, médications, vaccins et les volontés du patient éventuellement. Avec toujours la phrase en rouge en bas, attention, un sommaire n'est jamais exhaustif et donc prendre connaissance d'un sommaire ne dispense pas celui qui le visionne d'une anamnèse évidemment adéquate du patient qu'il a devant lui. C'est important. Donc ce sommaire est un moyen de communiquer, je l'ai dit, vers d'autres médecins mais également d'autres prestataires qui peuvent voir une bonne partie du sommaire en question. Une autre manière de communiquer toujours de manière sécurisée avec d'autres prestataires de soins est l'utilisation que vous pouvez faire du journal du réseau Santé Wallon. C'est un petit peu moins connu, mais c'est quand même tout à fait utile. Alors, ce journal du réseau Santé Wallon, j'ai pris ici une copie d'écran de mon logiciel MediSpring, mais c'est évidemment la même chose dans Dactari. En allant sur le Hub, on peut retrouver, j'ai dit,
l'accès au journal. Donc on va, un, sur le Hub, Réseau Santé Wallon, deux, on va ouvrir la rubrique journal et on peut envoyer une note dans le journal. Alors, je fais tout de suite un petit saut sur la dia suivante pour vous montrer le statut de visibilité des notes journal sur le réseau Santé Wallon. Et vous voyez que la note journal, la ligne est en vert partout. Ça signifie que tous les prestataires de soins qui soignent un patient ont un accès en lecture et en écriture d'ailleurs aussi au journal du réseau Santé Wallon. Donc quand vous, médecin généraliste, souhaitez partager des informations avec, par exemple, le secteur infirmier, eh bien, vous pouvez tout à fait utiliser depuis votre logiciel métier d'ailleurs la fonctionnalité journal pour publier une note qui sera à ce moment-là accessible, bien entendu, par l'infirmier et celui-ci pourra vous répondre par la même voie. Donc, journal du réseau Santé Wallon, l'intérêt, c'est qu'il est du coup accessible à tous les prestataires de soins du réseau Santé Wallon. Alors, je vous donne quelques chiffres du réseau Santé Wallon, c'est important de les connaître. Le réseau Santé Wallon, c'est actuellement 117 millions de documents publiés à ce jour, donc ce sont des données de la semaine passée ou des débuts de cette semaine-ci. 117 millions de documents. On était à 20 millions il y a 5 ans. Les documents sont bien entendu pour l'essentiel des documents produits par le secteur médecin. Hein, vous voyez 90 millions de documents produits par ceux-ci, mais vous voyez par contre que les infirmières sont quasiment 1 million de documents produits aussi. Les dentistes en publient pas mal. Les sages-femmes également. Les kinés bien entendu aussi. Donc, ce réseau Santé Wallon draine quand même énormément de documents de la multidisciplinarité. Le nombre de professionnels inscrits actuellement Wallon, donc toujours, sont de 22 000 prestataires environ, essentiellement des médecins, mais pas que. Encore une fois, vous voyez qu'il y a plus de 3 000 infirmiers et infirmières inscrites, un bon millier de dentistes, un bon millier de kinés. Et tous ces secteurs sont bien sûr en augmentation, certainement. Autre façon de les voir. Le nombre de patients aujourd'hui est de 2 338 000 patients inscrits sur le réseau Santé Wallon, ce qui fait 64% en fait de la population wallonne. Alors, quand on dit 64% de la population wallonne, c'est 64% de la population globale. Je peux vous dire que dans les tranches qui sont surtout celles prises en charge par le médecin généraliste, c'est-à-dire les patients de plus de, on va dire, de 50-60 ans, et donc qui sont polymédiqués ou polyproblèmes, eh bien, on est à des taux qui avoisinent les 80-85, pour ne pas dire 90%. Dans les polycliniques hospitalières, on n'est pas loin des 90% de patients qui les fréquentent, qui sont inscrits sur les réseaux Santé Wallon. Je vous cite ces chiffres simplement pour vous dire que utiliser le réseau Santé Wallon, ça a vraiment, bien entendu, tout son sens. Pour revenir au sommaire, puisqu'on le disait là tout de suite, un des deux moyens pour le médecin généraliste de communiquer avec ses confrères ou de communiquer avec d'autres prestataires de soins, c'est le réseau Santé Wallon et l'utilisation du sommaire. Donc vous voyez qu'il y a du côté Wallon 866 000 patients différents qui dispose d'un sommaire. La politique des médecins généralistes wallons a toujours été, jusqu'à présent en tout cas, de faire des sommaires pour les patients complexes. Donc, ceci explique cela par ailleurs. Alors, un petit mot rapidement d'un autre système qui existe pour partager de manière sécurisée des données de santé, c'est la IHBox. La IHBox, c'est un produit de la plateforme IEL, donc c'est un système fédéral qui est à ce moment-là accessible par le portail de la plateforme IEL en tant que professionnel de la santé. Et là, vous allez tout au-dessus à droite, c'est bien caché, c'est pas très facile à accéder, mais enfin voilà, il y a moyen d'y accéder bien sûr au travers de votre logiciel métier, mais directement via cette plateforme.
Et vous pouvez vous, enfin, vous devez vous identifier, bien sûr, là aussi, de manière sécurisée, avec soit votre lecteur de carte d'identité, soit avec It's Me. Et à ce moment-là, vous avez une messagerie qui est assez sommaire, mais qui vous permet d'envoyer à un collègue, à un confrère, des informations de santé, de manière sécurisée, c'est-à-dire de manière chiffrée également. C'est pas très sexy comme système. Pour vous donner un exemple, via la plateforme ici, quand vous devez envoyer à un prestataire, il faut connaître son numéro INAMI pour que le système le reconnaisse. Au travers de votre logiciel métier, bien sûr, c'est moins chipot, mais l'interfaçage est parfois un peu complexe entre la IHBox et votre logiciel métier. Alors, je vais en terminer avec ça. Je vous fais un tout petit comparatif des deux systèmes. On parle toujours ici du cadre général du partage de données de santé entre prestataires, pour des prestataires wallons. Les avantages du réseau santé wallon, c'est que le partage de l'information de santé se fait avec tous les prestataires de soins qui soignent le patient en fonction de leur droit d'accès. L'inconvénient, parce qu'il y en a quand même un, c'est que le patient doit avoir donné au préalable son consentement pour le partage de ses données de santé. Je vous ai montré là tout de suite qu'on était quand même à 66-67% de patients qui ont déjà donné leur consentement. Alors, l'avantage de la IHBox, c'est qu'elle est utilisable évidemment pour tous les patients. Moi, je l'utilise encore de temps en temps, simplement pour transférer des dossiers assez lourds entre moi-même et le médecin généraliste qui reprend éventuellement le suivi de mon patient qui a déménagé. C'est la seule utilité que je lui trouve encore. L'inconvénient de la IHBox, parce qu'il y en a quand même, il faut le savoir, d'abord, ce n'est pas utilisable si vous voulez transférer des informations vers un prestataire à l'intérieur de l'hôpital. Pourquoi? Parce que le système d'IHBox n'y fonctionne pas. C'est un petit peu comme s'il y avait une grosse boîte aux lettres au pied de l'hôpital, que tout y arrive, mais après, ce n'est pas distribué à l'intérieur de l'hôpital. C'est prévu de le faire dans un temps futur, mais ça n'est pas. Alors, autre inconvénient qui, moi, pour moi, est important aussi, c'est que quand vous partagez de l'information de santé, ça se fait uniquement avec le prestataire avec lequel vous l'envoyez, pas avec son remplaçant. Or, justement, quand je veux partager une information, je le fais quelque part avec la notion que c'est aussi vers l'équipe de soins que je l'envoie. Je l'envoie éventuellement à un collègue médecin généraliste. Mon Dieu, s'il est en vacances, son remplaçant, si j'ai employé l'IHBox, il n'aura pas l'information. Si j'ai déposé l'information sur le réseau Santé Wallon, le remplaçant aura lui aussi un lien thérapeutique avec le patient et pourra donc prendre connaissance de l'information sur le réseau Santé Wallon. Enfin voilà, pour moi c'est important de comparer ces deux éléments-là et pour moi ça tourne quand même à l'avantage du réseau Santé Wallon. Ça me paraît assez évident. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Donc bien sûr en collaboration avec CGM et avec Daktari, e-Santé Wallonie pour lequel je bosse également, organise des formations. Et pour certains d'entre vous, nous aurons certainement le plaisir de nous retrouver à des formations, soit directement chez CGM, soit au travers d'e-Santé Wallonie. Voilà, Valériane, j'ai respecté mon timing. Je crois que je suis à 19 minutes et quelque chose. Et j'ai donc le plaisir de te repasser la parole. Merci, docteur Jungen. En effet, vous avez tenu le timing parce que la prochaine vidéo et prochaine formation et démonstration part à 20h30. Donc, vous avez vraiment tenu le timing parfaitement. Merci pour la belle présentation. On communiquera bien évidemment toutes les présentations au fur et à mesure et l'enregistrement de cet événement sera envoyé à tous les participants. Donc, on ne manquera pas aussi de fournir les coordonnées de e-Santé Wallonie pour les prochaines formations. Et donc maintenant, on va laisser la place à nous, à Daktari, à l'introduction de Daktari, et on passera par la présentation de Docteur Parmentier à 20h45. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à notre event Connected by Health organisé par CompuGroup Medical. CompuGroup Medical est une entreprise internationale fournissant les meilleures solutions IT dans le secteur médical et paramédical.
Aujourd'hui, nous existons depuis 1987. Nous sommes représentés dans plus de 55 pays du monde et nous offrons nos services à plus de 1,6 million d'utilisateurs. Aujourd'hui, CGM compte 8000 employés dans le monde. Mais que représente CGM en Belgique? Actuellement, nous sommes situés aux quatre coins de notre pays. Nous avons donc des bureaux à Wetteren, à Selt, Barchon et à Ostende, le dernier bureau que vous venez de découvrir il y a de ça quelques minutes. En Belgique, CGM s'ancre sur son expérience globale, mondiale et surtout locale. Mais alors pourquoi choisir CGM? Notre objectif est simple et je vais reprendre les mots de notre fondateur Frank Gotthardt qui dit « Personne ne devrait souffrir ou mourir parce qu'à un moment donné, des informations médicales manquaient. » Ce message est fort et important dans le contexte actuel lié au Covid-19. Mais comment nous réalisons cela? En appliquant nos connaissances globales au niveau local, tout en se concentrant fortement sur la synchronisation des données. Pour vous, médecins et spécialistes, nous le faisons avec CGM Dactari. CGM Dactari est le nouveau dossier médical électronique. Il vous permettra de gérer toutes les données de vos patients à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit. Avec CGM Dactari, nous nous concentrons sur trois piliers. Le premier, la totalité. Le second, la stabilité. Et le troisième, l'unicité. Voyons ces trois piliers en détail afin de vous donner plus d'informations. CGM Dactari offre un logiciel complet, homologué, permettant d'atteindre le maximum de votre prime informatique intégrée. Et surtout, vous pourrez profiter d'une intégration complète des fonctionnalités e-health. Deuxièmement, CGM Dactari vous offre un environnement stable, sécurisé grâce à la technologie de cloud. Nous pouvons codifier rapidement et facilement vos informations. Ajoutez à cela, vous profiterez d'un support informatique rapide, efficace, ainsi que des mises à jour automatiques. Tout cela vous permettra de passer une journée sans aucun problème. Le troisième, enfin, nous regardons toujours vers le futur. CGM Dactari offre une expérience intuitive, unique, grâce à sa philosophie d'écran unique, grâce à son module de recherche ultra puissant et grâce à une ligne du temps interactive vous permettant de retrouver toutes les informations relatives à vos patients. Dans notre vision du futur, cela se passe aussi par la synchronisation importante des soins de santé. Vous avez donc la possibilité d'interagir avec des sociétés pharmaceutiques dans CGM Dactari. Cela fait partie de la synchronisation des soins de santé. Prenons maintenant le temps de quelques instants. Imaginez-vous vous réveiller dans quelques années dans d'atroces douleurs. Vous vous rendez chez le médecin qui diagnostique un type de maladie. Mais s'il était possible aujourd'hui de déterminer que vous tomberez malade demain? Oui, c'est possible. Grâce aux analyses, aux données médicales, vous pourrez prendre des mesures préventives des années à l'avance, bien avant que la maladie ne se déclare. Le médecin peut recommander des mesures particulières telles qu'une alimentation nouvelle, un suivi particulier et même une médication adaptée. Bien évidemment, nous pouvons lier la médication aux résultats de laboratoire, mais aussi au schéma de médication. Aujourd'hui, grâce au développement des pop-up pharma, nous pouvons guider les médecins pour prévenir, traiter les symptômes à un stade précoce d'une maladie. Nous relions ainsi donc les différents groupes de soins et les patients. C'est donc le but de la médecine préventive. Depuis plus de 30 ans, nous aidons nos clients à stocker, échanger, récupérer leurs données en toute sécurité. Avec CGM Dactari, nous offrons notre propre service cloud et nous gérons tous vos fichiers de manière sécurisée, cryptée dans notre cloud, mais aussi localement sur votre PC. Grâce à cette technologie de cloud, vous faites donc une croix sur de longues mises à jour, des synchronisations fastidieuses et l'achat de serveurs coûteux.
Chez CompuGroup Medical, nous savons très bien que de changer de logiciel est une étape importante et un changement drastique. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas encore client d'Actari, nous pouvons réaliser ensemble un essai gratuit de 15 jours avec vos propres dossiers patients. Et de cette façon, vous pourrez découvrir par vous-même notre logiciel CGM d'Actari. Découvrons ensemble le quotidien du docteur De Dire avec CGM d'Actari. Bonsoir. Donc voilà, vous venez de voir la présentation à propos de Dactari et de toutes les connexions possibles avec eHealth, entre autres. Je vais donc laisser la parole à Dr Parmentier pour sa présentation. Merci bien. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la transformation digitale en médecine générale, mais pas que. Aussi sur les perspectives et les évolutions des outils qui sont liés aux soins. Je vais d'abord me présenter. Donc, je suis le docteur Parmentier Vincent. Je suis le vice-président de la SSMG, la Société scientifique de médecine générale qui forme les médecins généralistes dans leur formation continue au quotidien. Je suis également membre du comité de surveillance du réseau Santé Wallon et du comité de Rosar, qui est un logiciel de prise de rendez-vous en ligne.
Mais ma casquette la plus importante, c'est d'être médecin généraliste plein temps en pratique clinique à Belœil. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des transformations digitales. Il faut savoir que l'informatique et la santé, c'est une longue histoire. Une longue histoire qui est émanée de transformations diverses et de révolutions dans de nombreux domaines. La transformation digitale ne fait qu'accélérer, en tout cas de manière exponentielle ces dernières années, à travers tous les secteurs. Alors, nombreux sont les avantages qui sont promis autour de ces évolutions digitales, notamment en matière de santé publique, dans l'analyse de données de santé, dans la communication des données de santé, dans les promesses qui sont faites sur le matériel connecté ou les engins embarqués, mais également dans des domaines très divers, tout aussi liés à la santé, qui sont la connaissance des maladies, la documentation des maladies, leur suivi et leur diagnostic, et le monitoring des patients chroniques. Alors, en ce qui concerne l'informatique et les médecins, alors ça a toujours été une relation assez complexe. Selon les médecins, évidemment, la transformation digitale est toujours un sujet qui est porteur d'espoir, mais à la fois d'anxiété. Pour eux, les nombreux avantages ne compensent pas forcément le dilemme qui est lié aux inquiétudes, notamment ce qui concerne le respect de la vie privée, de la sécurité des données, et également au niveau de la personnalisation de la santé et de ce que beaucoup penseraient être une déshumanisation du soin en lui-même, en tout cas du colloque singulier qui est fait entre un médecin et son patient. Toutefois, le digital est devenu, au cours des dernières années, la norme d'une génération entière. Et cette photo, qui est volontairement caricaturale, illustre bien un type de génération que nous connaissons bien maintenant, qui s'appelle la génération Z. Donc c'est la génération des jeunes qui sont nés fin des années 90, fin 2010, qui est cette génération qui a grandi et vécu avec une forte digitalisation et qui est même devenue complètement dépendante à cette digitalisation. Cette photo est volontairement narcissique parce qu'il va illustrer un propos que je vais expliquer tout de suite concernant l'évolution de la digitalisation des soins. Alors, moi, je suis né début des années 80, donc j'acquiers un âge où ma situation me permet de maintenant devoir avoir besoin des services de soins de santé, même si je suis né avec les premiers ordinateurs grand public, je ne suis pas un digital native. Donc, la génération Z, c'est la génération après la mienne, c'est une génération qui est caractérisée par beaucoup de choses, notamment des choses liées à l'impatience. Donc c'est une génération qui est très impatiente, qui veut une gratification instantanée, qui pense vite, qui est très entreprenante, mais qui par contre a un énorme besoin de connexion numérique, notamment au niveau social. Alors, cette génération Z, ils sont très pragmatiques, mais ils n'ont pas du tout les mêmes besoins ni les mêmes évolutions que nous. Nous regardons encore parfois la télé, les jeunes maintenant, ils ne regardent que YouTube, par exemple. 70% des jeunes affirment communiquer plus en ligne que dans la vie réelle. Et il leur faut à peine 12 minutes pour se lasser d'une activité pourtant plaisante qu'ils sont en train de faire, de voir ou de travailler. Alors, dans la génération Z, qui est maintenant la génération de médecins qui sort aussi au niveau des universités, comment est-ce qu'on enseigne cette génération? Comment est-ce qu'on permet de manager cette génération? Eh bien, on utilise finalement des outils numériques. Et dans ces outils numériques, qui doivent être utilisés en équipe. Et ça, c'est vraiment l'essentiel dans l'évolution du digital au niveau des soins de santé primaires et de la médecine générale de ces dernières années. Pourquoi? Parce que la pratique médicale évolue en fonction de la société. Avant, vous aviez beaucoup de médecins solo qui finalement avaient très peu de besoins en termes digital, qui étaient en autosuffisance et au niveau de leurs habitudes
Et donc, vous aviez des disciplines cloisonnées avec des médecins qui étaient solos, un petit peu chacun dans leur coin. Progressivement, au fur et à mesure des évolutions, on a vu se constituer des groupes. Des groupes qui sont constitués tout d'abord d'une seule discipline, par exemple des généralistes ensemble, ou des médecins spécialistes ensemble, ou des kinés ensemble. Et ces disciplines ont tendance à se rejoindre par rapport à des besoins. C'est-à-dire que quand vous travaillez en groupe, vous avez des besoins qui augmentent, et donc vous avez besoin de deux choses quand vous avez un groupe, c'est-à-dire de la complémentarité et de la communication. Évidemment, quand on est tout seul, on communique avec soi-même, on peut travailler sur n'importe quel support. Mais quand vous travaillez en groupe, surtout sur le même support, vous avez besoin d'outils qui sont beaucoup plus performants. Et ces groupes sont en train progressivement maintenant d'évoluer de groupes monodisciplinaires à des groupes pluridisciplinaires. Donc vous voyez des médecins qui travaillent avec des kinés, qui travaillent avec des infirmiers, vous voyez des médecins spécialistes qui s'intègrent dans la première nuit. Et progressivement, ces groupes pluridisciplinaires tendent tous vers la transdisciplinarité, donc à former des ensembles de plus en plus grands et aboutis. Au fur et à mesure que ces ensembles grandissent, la communication n'est plus suffisante. Et les outils mis en place au niveau de ces groupes doivent permettre une meilleure coordination des soins. Une coordination qui se veut aussi une gestion de la qualité des soins. Alors, dans l'évolution de ces modèles classiques, les nouvelles pratiques ont besoin de nouveaux outils qui sont finalement désormais adaptés à la pratique multiple, qui permet, comme Philippe l'a dit, un échange de données sécurisé. Et donc, ces groupes ont besoin de logiciels qui sont les DMI, les DPI, les solutions cloud, peu importe, mais qui soient intégrés et qui soient intégrables. La différence entre les deux est assez subtile. Intégrer, c'est dans la pratique courante, c'est-à-dire qu'il doit faire partie du soin, il doit faire partie des habitudes, tandis que intégrable veut dire qu'ils doivent pouvoir en fait communiquer entre eux, c'est-à-dire que des logiciels doivent pouvoir communiquer entre eux, ou des informations doivent pouvoir transiter via diverses plateformes, comme par exemple des objets connectés, des hôpitaux, vers les dossiers médicaux. Alors, ces logiciels doivent permettre également, au jour d'aujourd'hui, une communication qui soit professionnelle. Comme Philippe l'a dit, il est possible de communiquer avec des collègues via le réseau Santé Wallon, ce qu'on appelle une communication externe, qui avant se faisait le plus couramment par téléphone, mais qui commence à se faire chez les nouvelles générations via les emails, via les applications externes comme WhatsApp. Cette communication professionnelle, elle doit aussi se faire dans les groupes de manière interne. Alors, c'est difficile de prendre WhatsApp pour communiquer avec la personne qui est juste dans le bureau d'à côté. Et donc souvent, quand on est absent et que notre collègue nous remplace, on doit utiliser une communication professionnelle qui passe par le logiciel médical également. Et puis, qui dit 2021, dit aussi évolution des tendances et des modèles. On n'a plus des logiciels comme dans les années 90. Je pense que la plupart des applications qui sont dans la vie de tous les jours respectent des critères d'utilisabilité, de facilité et d'ergonomie que les logiciels doivent progressivement s'attribuer également. Alors, dans l'évolution des modèles classiques, en médecine générale, il reste des zones d'ombre où certains enjeux majeurs ne sont pas couverts professionnellement. Quand vous êtes médecin généraliste, vous faites des visites à domicile, donc vous allez dans les homes, ce qu'on appelle des maisons de repos, ou des maisons de repos et de soins. Vous faites un petit peu médecine scolaire, vous avez parfois plusieurs cabinets, ou vous travaillez un petit peu à l'hôpital, un petit peu en dehors, et surtout, souvent, vous ne travaillez même plus là où vous habitez, c'est-à-dire que votre cabinet est en dehors de votre habitation. Malgré tout, vous devez pouvoir avoir accès aux données patients, parce qu'en cas de garde, en cas de visite urgente, ou même en cas de repos, vous pouvez quand même vouloir suivre vos données de santé. Et donc, progressivement, se développent des solutions, que sont la téléconsultation, la télé-expertise, qui permettent d'avoir une vision plus digitale et excentrée du soin. Donc la téléconsultation, c'est tout ce qui concerne la consultation pour des soins via les patients, via les objets digitaux. La télé-expertise, c'est beaucoup plus au niveau des confrères, afin de demander un avis. Les enjeux majeurs au niveau de la médecine générale concernent aussi les spécialités multiples. Vous ne travaillez plus de la même manière qu'avant et la médecine se complexifie énormément. Et donc, pouvoir rentrer dans un cadre où on communique efficacement avec son collègue de manière digitale devient de plus en plus compliqué.
Et quand vous êtes médecin généraliste, aussi, vous avez besoin d'un bon réseau, d'un bon matériel, d'une bonne couverture, ce qui n'est pas encore le cas partout dans notre pays. Au niveau de la communication interne et externe, certains logiciels ne le font pas, certains logiciels ne sont pas non plus adaptés aux pratiques multiples, et donc il faut bien choisir le logiciel qui est adapté à votre pratique clinique et à vos besoins. Bien sûr, la plupart des enjeux majeurs doivent être aussi une couverture liée à l'envie politique. Alors, que sont les modèles de DMI aujourd'hui? Pour l'instant, les logiciels que nous proposons en Belgique sont axés sur une récolte et un encodage des données qui est fait par le praticien. Et donc, vous avez toute une série de choses, comme la taille, le poids, la pression artérielle, mais aussi les diagnostics, les évolutions, les médicaments, qui nécessitent un temps considérable pour pouvoir être encodé dans les logiciels. Et donc, vous avez passé votre temps pratiquement toute la journée à cliquer, et vous pouvez souffrir d'un syndrome qu'on appelle la click fatigue, qui est de devoir cliquer 20, 30 ou 40 fois pour pouvoir encoder inlassablement toujours les mêmes données. Dans le futur, j'espère que nous verrons l'émergence de nouveaux systèmes, et je pense que beaucoup de logiciels se sont lancés actuellement là-dedans, qui verra l'émergence d'une santé vraiment connectée. C'est-à-dire que les logiciels médicaux et les données de santé ne seront plus l'apanage de l'encodage du praticien. Et donc, nous pourrions évoluer dans le futur, hein, c'est une projection que je fais, vers une gestion des données qui serait croissante en nombre et en fréquence et qui serait intégrée directement dans nos logiciels médicaux via toutes sortes d'applications. Par exemple, je prends une montre connectée qui prend mon pouls 24 heures sur 24. Eh bien, c'est bien plus que ce que moi je pourrais prendre chez un patient quand je le vois une fois tous les 3 mois. Moi, j'ai un pouls, lui, il en a des centaines de milliers. Donc, l'augmentation de ces données sensibles en nombre et en fréquence permet d'avoir une affinité beaucoup plus grande au niveau du monitoring de la santé. Et ces applications qui sont externes doivent pouvoir s'intégrer dans notre software dans le futur afin que nous disposions de toutes les données à tout moment de manière complète. Alors, au niveau de l'errance, c'est une notion qui n'est parfois méconnue. Qu'est-ce que j'appelle l'errance actuellement? C'est au niveau du soin, c'est le parcours du patient qui cherche à être soigné. Et donc, actuellement, en Belgique, vous avez un patient qui a besoin de soins et qui cherche un praticien. Et ce parcours de soins, actuellement, il est compliqué. Il est compliqué à cause de la digitalisation des soins. Pourquoi? Parce qu'un patient, il doit trouver d'abord un médecin, ensuite il doit prendre un rendez-vous. Pour le rendez-vous, souvent il y a peut-être parfois une pré-consultation, voire une téléconsultation en cas de Covid, hein. Actuellement c'est ce qu'on voit beaucoup. Ensuite vous avez la consultation en elle-même, l'attestation, la prescription, la facturation, toutes les choses administratives qui sont très joyeuses. Et puis vous avez, après le soin, le suivi, la communication et la gestion des données qui sont liées au soin. Dans Belgique digitale aujourd'hui, on fait face à beaucoup de difficultés. Être trouvé, c'est difficile parce qu'au niveau digital, Internet est parsemé de faux profils. Il y a trop de canaux de communication actuellement qui sont entre le patient et son médecin. Il y a la problématique des rendez-vous non honorés, qu'on appelle les no-shows. Ensuite, au niveau de la téléconsultation, la consultation, on s'y perd un petit peu parce qu'on a un choix des outils qui devient de plus en plus énorme, et on ne sait pas comment bien passer de l'un à l'autre, ou bien quel outil choisir. Ensuite, vous avez évidemment les problèmes d'interface, les bugs, les encodages multiples, et les compétences évidemment du praticien qui doit pouvoir utiliser ces outils sans cesse en amélioration. Évidemment, ça demande aussi une formation, mais je pense que Philippe l'expliquera mieux que moi. Et donc, juste un petit mot sur comment finalement s'organisent actuellement les soins en 2021 dans une pratique digitale. Eh bien, on va de plus en plus vers des référencements Google, et donc les médecins doivent souvent, les médecins et les praticiens bien sûr, tous les autres, doivent souvent se référencer de manière tout à fait correcte. Avant, il suffisait de s'inscrire à l'ordre et de mettre dans le bottin les horaires de rendez-vous, ce n'est plus du tout le cas actuellement. Et donc, la digitalisation, elle passe aussi par le fait d'être correctement trouvé. Ensuite, quand on a été correctement trouvé, il faut pouvoir avoir un contact avec le praticien.
comme je vous ai dit, les jeunes générations n'utilisent quasiment plus le téléphone. Et donc souvent, pour être trouvé, avoir un rendez-vous, il faut passer maintenant par des calendriers de prise de rendez-vous en ligne qui sont disponibles, soit gratuitement, soit de manière payante. Et c'est ce qui est évidemment l'idéal, c'est d'avoir ce calendrier qui soit intégré à votre logiciel. Ensuite, au niveau de la pratique digitale, deux choses, un incontournable qui est le dossier médical informatisé et des outils de téléconsultation qui idéalement doivent aussi être intégrés directement au logiciel. Pour tout ce qui est suivi et communication, c'est un petit peu le point noir en ce moment. Évidemment, beaucoup de messages et de rapports médicaux passent par la IL Box, mais malheureusement, ce n'est pas un outil de communication en santé professionnelle qui est beaucoup utilisé, qui est pratique ni ergonomique pour le moment. Les meilleures pratiques digitales en 2021, donc comme je vous l'ai dit, passent par un référencement clair de sa présence en ligne, passent par l'obtention d'un calendrier médical, des outils de téléconsultation et d'un dossier médical informatisé. Alors je rejoins notre hôte aujourd'hui sur sa vidéo où apprendre à changer est important parce que quand vous n'avez pas un logiciel médical qui suit les derniers standards ou qui est à la pointe, vous avez beaucoup de chances d'avoir de gros soucis dans le suivi des soins futurs. Et j'insisterai sur une chose, il n'est jamais trop tard pour prendre un train en marche. Il est seulement trop tard, c'est quand vous le voyez partir sans vous. Une recommandation que j'aurais aussi pour, que j'ai à cœur en tout cas de défendre depuis longtemps, c'est d'exiger l'interopérabilité des fournisseurs et donc la synchronisation des données, même qui sont standards, et donc d'éviter les doubles encodages. Alors les futurs enjeux de la e-santé, ce sont la manière dont on communique avec les patients, que ce soit au niveau du soin ou au niveau d'après du soin, et donc c'est la littératie en santé au travers des motifs de consultation. Il y a aussi les futurs enjeux liés à la gestion de la qualité de la population. Pour l'instant, la médecine est très 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 individuelle, on soigne un patient, une pathologie dans son petit monde, mais de plus en plus, on voit émerger des algorithmes permettant de soigner les populations par rapport à des critères de santé beaucoup plus larges. Moi, par exemple, j'ai fait des statistiques via mon logiciel où j'ai découvert que dans ma population, j'avais un surcroît de cancer du sang et c'est été amené par mon logiciel ces données-là. Évidemment, je me pose la question d'une pollution environnementale que je suis en train de mettre au jour. Les futurs enjeux aussi, c'est l'intelligence artificielle au service de la détection des risques. Les risques liés à la polymédication, à la médication inappropriée, au diagnostic probabiliste et l'intégration dans nos logiciels futurs des meilleures recommandations en matière de suivi de patients. Alors, je vais terminer ma présentation en illustrant quelques données du futur, même si le futur, c'est déjà aujourd'hui, parce que ce que je vais vous montrer est déjà d'actualité. Il s'agit de quatre projets assez audacieux qui sont toujours en cours et qui permettent d'illustrer ce que sera certainement la médecine digitale de demain. Alors le premier, c'est Hermès Padini, donc c'est une entreprise qui est, c'est une entreprise de jeux vidéo, qui s'est donné pour vocation de s'attaquer à un problème pas si anodin que ça au niveau de soins de santé, c'est qui est la phobie des piqûres. Alors la phobie des piqûres, c'est quelque chose qui est très mal vécu par les enfants, qui est source d'angoisse, d'inquiétude et qui peut amener des traumas psychologiques qui se répercutent sur l'âge adulte parce qu'on sait très bien que les enfants qui sont phobiques, en tout cas au niveau des soins de santé, développent après une aversion pour le milieu médical, quitte à négliger leur propre santé. Et donc vous avez cette société qui s'appelle Hermès Pardini qui s'est intéressée à cette problématique-là en développant un casque virtuel que les enfants revêtent lorsqu'ils vont faire leur vaccin. Et donc, dans cette réalité virtuelle, vous avez un petit bonhomme qui représente une tribu du feu. Et alors, la tribu du feu, elle vous fait un cadeau, elle vous fait le symbole du feu, vous faites partie de la tribu, et elle vous appose le symbole du feu sur votre épaule. Et de manière très synchrone, au moment où le personnage touche votre épaule en réalité virtuelle, eh bien, le vaccin est injecté par le médecin. Eh bien, vous voyez une diminution de 95% de la douleur liée à cet acte médical. Et vous voyez aussi une diminution
de la phobie liée aux injections chez les enfants. Donc c'est une preuve aussi que la santé, ça peut être de passer aussi par des éléments digitaux pour résoudre des problèmes, pas seulement cardiovasculaires finalement. Deuxième évolution qui est tout à fait présente, ce sont les forums de patients, donc comme Patient Like Me, donc qui sont finalement un crowdsourcing de données. Donc sur cette plateforme, vous avez des patients qui sont atteints d'une maladie. Là, j'ai pris comme exemple la sclérose en plaques. Vous avez donc des témoignages, des demandes de patients qui discutent entre eux. Et ces patients qui s'inscrivent sur le site parlent également d'autres choses. Et ces autres choses, ce sont leurs traitements. Alors, il faut savoir que quand on fait des traitements sur des médicaments, souvent ce sont des petites populations et on détaille à peu près tous les effets secondaires, fréquents, pas fréquents, etc. Mais ici, vous avez des patients qui, d'eux-mêmes, indiquent en fait de quels symptômes ils souffrent au quotidien. Et donc, vous avez des symptômes tels que les chutes, tels que les tremblements, tels que la fatigue. Et vous avez cette échelle de graduation populationnelle qui indique le degré de sévérité ou le degré de souffrance de ces patients. Et également la manière dont ils se sont débrouillés pour pouvoir l'amenuir. Comparativement aux traitements, vous avez les traitements liés à la sclérose en plaques, et donc la perception du patient sur leur efficacité est importante. Vous voyez par exemple que les tout nouveaux traitements, comme le Gilenya, eh bien il n'y a qu'un seul patient sur deux qui a l'impression que le traitement a une petite efficacité. Par contre, au niveau des effets secondaires, et là c'est très bien décrit, vous avez un patient sur quatre qui a des effets sévères. Ces effets sont quantifiés et correspondent tout à fait aux études cliniques qui sont réalisées avec bien plus de moyens et bien plus contrôlées. On le voit notamment dans l'inscription des patients qui déclarent leur maladie, c'est-à-dire qu'au niveau de l'âge des déclarants ou l'âge des premiers symptômes, on voit que c'est entre 20 et 40 ans le pic. Eh bien, c'est tout à fait ce qu'on retrouve dans les études cliniques, avec une proportion de 4 femmes pour un homme, à peu près, ce qui est également dans les données. Et donc ce type d'évolution digitale, de partage, permet une simplification au niveau de la récolte de données patients. Alors, je vais vous présenter Google DeepMind sur deux versions, qui est une intelligence artificielle, d'une part sur la rétinopathie diabétique, donc qui est une maladie qui attaque les vaisseaux sanguins de la rétine au cours du diabète, et cette rétinopathie provoque des lésions que on peut détecter par un fond d'œil au niveau de l'ophtalmologue. Eh bien, ces lésions, vous allez apprendre à une intelligence artificielle à les reconnaître sur des millions et des millions et des millions de fonds d'œil. Et à la fin, cette intelligence artificielle va pouvoir vous dire, eh bien oui, si je vois une rétine, une photo d'une rétine, je sais dire où est-ce qu'il y a un saignement. Je sais également détecter où il y a des artefacts, donc de la réflexion. Et je sais également détecter s'il y a des choses qui ne devraient pas s'y retrouver et elle sait les ignorer, par exemple une petite poussière qui se trouve ici sur le cadran. Alors, si on devait faire ça, on se dit, bah oui, c'est bien, ok, mais ça apporte quoi finalement? Eh bien, l'intelligence artificielle, c'est après qu'elle montre son importance. Parce qu'on sait très bien que la rétinopathie diabétique, c'est une maladie des artères. Et si on a une maladie des artères, on a une pathologie cardiovasculaire, on a un facteur de risque qui est prédictible de faire autre chose qu'une rétinopathie. Peut-être un infarctus, peut-être un AVC. Eh bien, cette intelligence artificielle, en mesurant la rétinopathie diabétique, en mesurant le flux au travers des vaisseaux sanguins, en mesurant la dimension des plaques d'athérome, arrive à vous prédire jusqu'à 10 à 15 ans à l'avance votre risque cardiovasculaire de faire un événement majeur. Google DeepMind s'intéresse aussi à la détection du cancer du sein, et donc en lisant des centaines et des millions de mammographies, il arrive à détecter, aussi bien qu'un radiologue au sommet de son art, la présence d'un cancer mammaire. Vous dites, c'est bien, il fait aussi bien que le radiologue, oui. Mais ce n'est pas tout. Actuellement, Google DeepMind fait mieux qu'un radiologue dans un point, c'est qu'il évite de détecter un cancer qui n'en serait pas un. Et donc, il permet de détecter un taux inférieur de faux positifs. Et donc, ça évite aussi tout un tas de morbidités liées
à une chimiothérapie, à un acte chirurgical qui serait tout à fait inapproprié. Et donc, dans les soins de santé, on ne fait pas que guérir, on sait aussi prévenir, surtout les pathologies iatrogènes. Et pour continuer sur ma lancée, pour finir, je vais vous parler des HoloLens chez Microsoft. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, si je me vois en tant que généraliste dans ce futur, mais vous voyez que ça, c'est peut-être le Dactari du futur. Hein. C'est un logiciel entièrement virtuel, télécommandé par intelligence artificielle et disponible partout. Hein. On voit que ce type de choses est quand même plus léger qu'une mallette à transporter ou qu'un ordinateur. Et alors, vous avez cette évolution qui se retrouve aussi au cabinet du praticien, qui, par le même jeu d'interface, s'invite directement à domicile du patient afin de faire des consultations comme si il avait pris sa voiture et était venu comme avant. Voilà, je pense que j'ai un petit peu débordé du temps, mais je voulais que ce soit un petit peu dynamique, donc je vous remercie pour votre attention, et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des interrogations. Je suis assez disponible à l'adresse suivante, ssmg@ssmg.be. Merci docteur Parmentier, merci pour la belle présentation et les innovations et les interactions avec le futur. C'est toujours très intéressant, même pour nous, de le voir et d'avoir un peu votre retour par rapport à ça. Et je vous remercie docteur Jongen, docteur Parmentier pour les belles présentations sur le secteur de la e-santé. Et à partir de maintenant, nous allons passer à notre ami DJ Natic et à la remise aussi du prix. Donc voilà, restez connectés. À bientôt. Au revoir.